Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique évidemment sur Resident Evil 4 avec l'épisode 17. Plongez-vous dans le noir. Un petit truc à boire et à manger, pourquoi pas. Et surtout, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Évidemment, j'espère que vous êtes toujours aussi heureux de nous voir sur ce jeu d'anthologie, ce jeu exceptionnel qui plus est. Et on est reparti, nous avons une tête en plus. Ah oui, carrément. Carrément. C'est l'accueil que vous me réservez, les gars. Ça s'arrête jamais. Merde. Oh. Bon, désolé. Ok. Désolé, mais là, faut pas se foutre de la gueule du monde. Mon pistolet est très très strong, mais pas assez pour des petits cons comme vous. Eh ben dis donc, c'est comme ça qu'on commence l'épisode, les gars, là. Attendez, ça m'embête fortement ce qui est en train de se passer. Hein. Voilà, c'est beaucoup mieux ce qui est en train de se passer. Hein. Je suis plus serein avec quelques cartouches de pompe en plus. Par contre, vous êtes venus par où, vous, les gars, là? C'est quoi ces conneries, là, encore? La porte! Allez, go. Go, 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 go. Toujours la tête ici. Oh. Oh, j'ai peut-être sûrement oublié quelque chose de très important. Regardez-moi ça. Voilà. Il manque encore un morceau. Oui, sans déconner. Sans déconner. Et là... Il y a un monde... Non. Les salauds. Mais what the fuck? Ça veut dire que... Comment? Alors là, excusez-moi, mais... Le doute m'habite. Pour moi, avoir celui-là, c'est sortir dehors. Hein. On est d'accord, hein. C'est retourner un peu dans la cour. Retourner dans la cour et à la limite se mettre ici, là. C'est là où il y avait le gros balèze qui est tombé. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, quoique. Il y a une fenêtre porte verrouillée ici. D'accord. Il y a une porte totalement verrouillée. Ok. Yo, mon ref. Ok. Il y a une porte totalement verrouillée. Alors, j'ai peur de sortir pour rien. Je vais pas vous mytho. Et je pense qu'on va sortir pour rien. Je pense que ça serait illogique en termes de level design de nous demander de partir loin derrière sa mère. Ah, bah voilà, elle est là, la porte. Oh là là, d'où Jésus. Oh, d'où Jésus. Hé, hey, Léon, tu veux pas une armure? En guise de gilet pare-balles? C'est un peu trop vintage, je trouve. Dommage, je suis sûre que ça t'irait bien. Oh là, oh là, oh là, Ashley! Qu'est-ce qui se passe entre nous? J'entends des bruits chelous. Quoi? J'entends des bruits suspects. Ça dégage, rien à péter. Tiens, j'emmène la chaise avec moi. Personne va rien dire et personne va rien faire. What? La salle des armures. Éloigne-toi. Attends. Ça sent pas bon, ça. Ça sent pas bon, ça. Vas-y, reste là, regarde-moi me faire arracher. Cascade. Ashley, reste là-haut. Ouais, ouais. D'accord, ouais. Sois prudent. Oh, ça sent pas bon, ça. Oh, je suis un con. Putain, c'est quoi cette connerie? Ça sent...
sa mère. Oh là 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 là. Et là, il y a le boss. Ok, inesquivable, j'ai compris. Oh non. Oh. Casse-toi, espèce de tas de drôle de merde. Ce qu'il faut dans la vie. Rien. Oh putain. Est-ce que ça va? Ouais. Oh, ça va, ça c'est va. C'est de la Camelot, ces chevaliers. Ça va, vite fait quand même. Hein. J'arrive. Allez. Viens par ici, bibiche. C'est de la Camelot, c'est de la Clamotte. Pris notre part. T'es sûr que t'as rien? Je t'ai pas brûlé, j'espère. Non, merci du coup de main. Ça m'a bien aidé. Alors, si jamais, pour la petite anecdote, oubliez pas que j'ai fait un let's play de Resident Evil 4, l'original, il y a fort longtemps. N'hésitez pas à aller le voir, parce que cette scène n'existait pas. Hein. En tout cas, pas du tout comme ça. Le levier est là. Ça marche. Et encore moins ces chevaliers. Hein. C'est une sorte de nouveau bestiaire. Ok, alors, on est parti. Bien. Elles vont pas bouger. Je prends un objet cubique. On n'en sait pas plus. Attends, attends, attends. Ah, petit malin. Petit coquelicot. Dernier. Non, elle devrait pas bouger, ça devrait être bon. Il reste un rat. One rat. Quand j'y pense, il est pas derrière. C'est dans le grand hall. Le rats du grand hall, on l'a pas fait, hein. Le rats du grand hall, on l'a pas fait, hein. Et un rat, je l'aurais déjà cramé, hein, au sol, hein. Donc en vrai. Ok. Ah. On arrive en bas. J'étais occupé d'une requête, n'est-ce pas? Allez. Bien fait, mérite une ça, récompense c'est cool. À la hauteur. Tu j'ai me donnes plein quoi de choses intéressantes à vendre, étranger. Il y a toutes sortes de bibelots dans le château de ce clown. Et en plus, je suis sûr qu'il en a pas besoin. Ok. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Il sert à quoi le cube? Ok, on va save. J'aimerais comprendre à quoi sert le cube. Ok, d'accord. Sûrement peut-être pour prendre le truc à l'arrière. Donc là, j'ai une seule tête. Non, j'ai la dernière tête. Trésor enfermé. On a des bas ici. J'ai vraiment oublié ça dans la salle des armures. Waouh. J'ai oublié des cartouches de pompe. Mais waouh, tout ce qu'on... C'est ouf. On s'en rend pas compte, mais tout ce qu'on oublie. Grand hall et on m'a parlé d'une bibliothèque.
Ok. Dernier truc. Grand hall, bibliothèque, je suis pas fou. Donc je ne sais pas encore où est la bibliothèque, on va voir ça très vite. Allez, ça. Ok. Attends, parce que là, le doute m'habite, hein, quand même. Léo, derrière toi! Recule! Va-t'en! Allez! Ah! J'ai peur. Alors, vous l'aurez compris, ça va être à moi de libérer le frère. Ok. Il faut que je m'éclaire. La fameuse. Ça va? Ne fais pas peur comme ça. Attends, on serait pas dans une bibliothèque? C'est une bibliothèque. Les ancêtres se reposent ici, répondent à une heure choisie. Si tu cherches la protection divine, fais preuve de courage et ne crains pas les ténèbres. D'accord. Là, on a une petite horloge. Bah pour moi la logique non. On va essayer ça. Alors là je l'ai pas. Les aiguilles bougent. Sans déconner. Attends. Peut-être qu'on aura la suite ici. Ok. Ok, 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 ok. Ah. C'est fermé. Somme toute logique. Ok, évidemment. Là, il y a un mec tourné bizarrement, frère. Ça, on connaît. Ça va bouger un jour. Paraît beaucoup trop. Oh, ouais, ok, d'accord, j'ai compris. En fait, je vais devoir actionner un mécanisme et faire tout le chemin du retour. Superbe.
Superbe, superbe, superbe. Un escalier caché? Il doit y avoir une salle secrète en haut. Ok. Ok, ok. Trousseau de clés. Des clés. Ok, donc on pourra revenir ici. Donc le rat, c'est bien celui qui aura tué. C'est pas vrai. Allez, ta mère. Merde, ça c'était pas prévu ça. Énervé là le cousin. Niquez-vous. Je me chie dessus. Je me chie dessus. Attends, mais quoi? Comment ça, frère? Comment ça, frère? Faut que je retourne là-bas, là, en enfer. Bien sa mère, hein. Bon. Ok. Relou. Non, sa mère. Vas-y, c'est mort. Alors... Oh, c'est laquelle ? Salut mon pote. Non. What? Ah, j'ai trop pas hâte de revenir, hein, sa mère, hein. Quoi encore? Comment
comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? Léon! Ashley! Est-ce que ça va? Attends! Je vais trouver une solution! Comment ça, mon ref? Waouh! Ils répondent qu'il y a une certaine heure. Eh, vas-y, tu sais quoi, on verra plus tard. Hein. On verra plus tard. L'emblème. La clé pour sortir de cet endroit maudit n'est autre que l'emblème des Salazar. Pour le trouver, je dois m'aventurer là où se trouvent ces satanées armures. Le mausolée souterrain. Ô Seigneur miséricordieux, fais régner ta justice sur le vil usurpateur, ce monstre hystérique qu'est Ramon Salazar, et que ta lumière bleue bénie protège ton fidèle serviteur. Par contre, j'ai des clés de fou. Note écrite, 11h04. Bah ouais, putain. Peut-être que... Mais non, mais c'est pas peut-être, cousine, c'est sûr. Ok. Oh, j'ai à chaque fois... C'est pas vrai, j'ai vraiment pas de bol, hein. Ah non, mais what? Ça peut être la même clé. Bah vas-y, c'est lui, alors. Non. Comment ça, mon ref? De revenir ici. Okay. C'est quoi ça? 11h04. Bon, vous savez lire, j'espère, sur une horloge. Allez. Arrêtez-vous, monsieur. Mort. Ok. Il m'a fait fermer ma gueule. Il a pris un élan de fou furieux. Sérieux? Comment on passe, frère? En fait, il bloque tout le couloir, là, avec son grand corps de bâtard. Excusez-moi. Si je pense. Ouais, mais non, putain. Même pas, en vrai. Ah, d'accord, c'est la lumière, non? Vas-y, viens, Harry. Allez, mène ton cul, là. Pas le temps pour tes conneries. Allô? Non, tu déconnes. Ah, oh, faut qu'il te voit, putain, quelle galère. Allez, monte les escaliers, tu peux le faire, allez! C'est pas possible. Eh! Connard! Ça me gonfle. Ça commence à me gonfler. Une Ashley nue dans les escaliers. Je prends des gigantesques coups d'épée. J'aurais dû lire les conseils pendant le temps de chargement. Et si je fais ça, pareil. Voilà. Ah. Ah. Tire-toi! Ah ouais.
j'ai compris. Ne retourne pas. Ne retourne pas. C'est normal qu'il cavale aussi vite, sa mère. Oh là là. Putain, quelle angoisse. Oh les gars, c'est un aller simple pour l'enfer ou quoi, là, chaque mètre que je fais? Tout ça pour libérer un ref. Moi, je vais revenir, hein, c'est évident. Hein. Beaucoup trop de trucs ici, les gars. Hein. Je vais revenir faire une inspection dès l'heure, rien à péter. Hein. Allez, plus vite. Quoi? Oh! Je me suis chié dessus. Oh, quand tu les entends arriver! Je veux plus jamais voir d'armure. Oh là là! Yo? Mais non, mais c'est pas vrai. L'enfer s'arrêtera donc jamais? Qu'est-ce que je viens juste de dire? Oh, putain! C'est quoi ce temps? Mais non, mais on peut pas retourner là-dedans, wesh. On peut pas retourner là-dedans, frère. Hein? Oh là là! Ok, lune. D'accord. Ah, j'ai compris. Je pense avoir compris. Ok. Oh, ça va être hard hein, avec Léon. Hein. Oh la vache. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Hein. Oh, cet épisode est angoissant, hein. Je ne sais pas vous. J'appréhendais énormément le passage de Ashley en plus. Le passage de Ashley seul, c'est très très bien. Ok. Bien joué, Ashley. T'as géré de fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Emblème des Salazar. Non, 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 la lumière! Encore! Oh, j'en peux plus! Pas vrai. Oh là là, oh là, oh là 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 là. Ok, ok. Oh là 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 là. Ok, soyez sympa, ne bougez pas. C'est dur, c'est dur. Il a chargé son coup il y a 8 ans, il m'a décalqué la gueule. Oh la galère! Ok. On est reparti. Mon objectif, ascenseur. J'ai de quoi poser le blason et je vais pouvoir rejoindre normalement Léon. Oh, c'est terrible. On va aller à gauche au calme. Hein. Ah, mais non, mais à gauche, il y a du monde aussi. Hein. Allez! Oh, ils sont quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, frère! Comment ça, je vais devoir revenir avec Léon? Même là, il y a des trucs de fou. Mais
reviens. Dégage de là. Dites-moi pas qu'il y en a un deuxième. Il y en a pas un deuxième. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je vais changer aucune putain d'idée. Star. Je suis... C'est évident que ce n'était pas le bon chemin choisi. Perdu, je sais plus comment on remonte. Ah, ça m'énerve, je sais plus comment on remonte. Comment on remonte encore plus haut, putain. C'est quoi le projet? C'est là? Ok, c'est là. Oula. Là? On va voir. On va voir. I don't have a project. Je suis en train de dire que je n'ai pas le projet. Boîte avec serrure carrée. En forme de bouclier. D'accord, non, bah c'est là en fait. Donc, bibliothèque. Et là. Okay. Bon, bah on va voir ce que ça donne. Ah d'accord, ouais. D'où l'importance des maps, vous l'aurez compris. Ok. Léon ! Ashley, tout va bien ? Ouais. Attends, je vais te sortir de là. Bon, ça c'est de l'inédit aussi, hein, vous l'aurez compris. Hé ! Attrape ! Tu crois que tu peux descendre ? Je te rattrape. Ouais, c'est jouable. Chapitre terminé. Ouh, on verra tout ça dans la suite de notre aventure. On n'a pas pris le petit train, je sais même pas où il mène. On verra bien. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. A bientôt tout le monde pour la suite de notre folle aventure sur Resident Evil 4. Et je peux vous dire que ça swing déjà de tous les côtés. Et là les gars, je suis mort 45 000 fois. C'est assez terrible. Allez, bisous tout le monde. Bye bye.